الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلي على محمد، اللهم صلي وسلم على محمد. Un frère me dit qu'Allah le bénisse, salamu alaykum wa rahmatullah. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon frère bien-aimé. Nous aimerions bien avoir des rappels et des réflexions sur l'oasis, surtout en ces temps troubles où nos cœurs sont meurtris, entre parenthèses, rase. Vos paroles, votre système de pensée, vos réflexions, vos évocations, tout cela manque. Vous allez nous dire que tout cela pullule sur YouTube, mais c'est votre manière qui manque. Devons-nous signer une pétition, Inch'Allah. Je suis entièrement pris par la science al-Mubin par laquelle Allah m'a honoré. Depuis maintenant environ 7 ans, Alhamdulillah, et je me déploie corps et âme depuis bientôt 4 ans à publier des études sur cette science qui n'est pas connue aujourd'hui. Donc c'est pour ça que tu ne me vois pas beaucoup sur l'Oasis. Mais je me déploie, alhamdoulilah, à tous les niveaux par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je peux. Et justement, c'est pour ce sujet de Raza qu'on m'a arrêté il y a environ 2 ans dans une mosquée où je me déployais, alhamdoulilah. Subhanallah, c'était l'époque où nos amis, nos ennemis sionistes avaient foulé l'Aqsa à l'intérieur pendant les Tarawih et faisaient ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc j'avais fait la khutbah de Jumu'ah juste après Ramadan, où les imams font ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est ils pleurnichent, ça pleurniche après Ramadan, en disant « Oh, 6 mois après la fin de Ramadan, les sahabas se faisaient les condoléances. » Donc voilà, et 6 mois avant l'arrivée de Ramadan, les congratulations. Donc les mêmes choses, moi après, juste après, alhamdoulilah, Ramadan, j'avais travaillé, j'avais parlé sur cette problématique de l'Aqsa, de Gaza, de la Palestine. Et je disais, subhanallah, sur le minbar qu'on allait m'arrêter pour ça. Et c'était ma dernière khutbah sur le minbar. Donc tu me demandes mes réflexions. Bismillah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dara'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Pensez-vous, et la traduction est malheureuse, mais elle essaie de s'approcher. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous. Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés « Quand viendra le secours d'Allah ?» Quoi ? Le secours d'Allah est sûrement proche. Ala inna nasrallahi qarib. Voici ma première réflexion. Ma deuxième réflexion. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Idha jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wa staghfirhu innahu kana tawwaba. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, malheureusement aujourd'hui, on les voit sortir en foule de la religion d'Allah. Même si tu me dis, il y a des gens, alhamdoulilah, qui se convertissent, alhamdoulilah, mais nous, les musulmans, on ne se déploie pas. Nous, le seul rêve, c'est de massacrer les sionistes, finir avec eux, voir le fameux hadith se réaliser, et applaudir un peu, et voilà. Mais est-ce qu'on porte le ham de la da'wa? Est-ce qu'on porte le souci de la da'wa? « Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja »« Mata nasrullah » le fameux verset. Ala inna nasrallahi qarib. Et cette surah te parle, elle s'appelle même al-Nasr, surat al-Nasr. Elle te parle de ce Nasr. Est-ce que le Nasr est finir avec les sionistes? Ce Nasr viendra de toute façon. Mais, ou est-ce que le Nasr est faire ce que ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait? Malheureusement, moi je te dis, moi qui pratique la da'wa depuis un certain temps, le vrai Nasr d'Allah n'intéresse pas les musulmans. Malheureusement. Malheureusement, majoritairement, je te le dis, et tu peux observer autour de toi, partout, le ham de la da'wa n'intéresse pas grand monde.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حنا هو اللي في فيه. On massacre des gens qui n'ont rien fait. On tue des gens qui n'ont rien fait. On s'amuse à les faire détester l'islam, à leur faire détester l'islam. D'accord? Qu'est-ce qu'un prof a fait pour qu'un gamin qui frappe sa mère, qui n'a rien à voir avec la religion d'Allah, parte le tuer? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ça, c'est digne de l'islam? Donc, on fait en sorte de faire fuir les gens de l'islam, malheureusement. Et les gens sont de plus en plus durs, et je l'observe. Sur les 30 ans que j'ai passé dans ce pays, la France devient de plus en plus islamophobe, de plus en plus dure avec les musulmans, mais les musulmans ont une part de responsabilité dans ce qui se passe. Malheureusement, une petite minorité n'arrête pas de faire parler d'elle. D'accord ? Donc mes réflexions à moi, c'est de me dire, travaillons chacun de nous pour faire parler de nous dans d'autres choses, dans d'autres univers, Inch'Allah. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. Donc lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors parle la louange, célèbre la gloire à ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueilleur au repentir. Maintenant, Naam, cette France se droitise à mort. Oui, c'est de sa faute à elle aussi, pour ceux qui se disent, ah oui, donc c'est la faute des musulmans. C'est de la faute des Français aussi, malheureusement, qui deviennent de plus en plus durs, mais ça c'est mondial, de plus en plus bizarroïdes, j'ai même pas le mot pour les qualifier, mais ça c'est au niveau mondial, les gens sont de plus en plus mauvais, injustes, violents, méchants, durs, fermés, obtus, ils se pensent les centres de l'univers, la France c'est quoi, 60 millions de personnes. Et la France pense qu'elle est le nombril de l'univers, la pauvre. Sur 7 milliards de personnes, 8 milliards de personnes, un petit pays de rien du tout pense qu'il est le centre de l'univers. D'accord ? Très bien, voici une autre réflexion. Kana ghulamun yahoudiyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Famarida fa'atahu ya'udu. Faqa'ada 'inda ra'si. Faqala lahu aslam. Fanadhara ila abihi wa huwa 'inda. Faqala lahu at' aba al-qasim. Faaslam. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. Un garçon juif, un garçon juif, était au service du prophète صلى الله عليه وسلم. Un jour, il tomba malade et le prophète صلى الله عليه وسلم lui rendit visite. Une fois arrivé, il s'assit près de sa tête et lui dit: accepte l'islam. Est-ce que nous avons la capacité de faire ça? Est-ce que tu as la capacité de faire ça avec ton voisin? Avec quelqu'un que tu connais, avec quelqu'un que tu pratiques, qui te pratique, accepte l'islam. Le garçon jeta un regard vers son père, qui était auprès de lui. Et ce dernier lui dit, obéis au père d'Al-Qasim. Est-ce que nous avons la capacité de faire ça? Est-ce que nous avons le comportement de prophète qui fait ça? Est-ce que nous avons la douceur, l'empathie, la gentillesse, le déploiement corps et âme jusqu'à la dernière seconde? Le seul objectif de ton prophète, c'est d'appeler l'autre à Allah, quel qu'il soit. Il accepta donc l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez lui en disant: loué soit Allah qui l'a sauvé de l'enfer. Est-ce que tu as l'ham de sauver ce juif ou ce sioniste de l'enfer? Ou est-ce que tu as juste le ham de voir le fameux hadith se réaliser et de les massacrer et de finir avec eux? Alors que tout le monde était à pied d'œuvre pour réaliser le fameux ouvrage de Al-Khandaq, rappelle-toi, les juifs de l'époque avaient comploté, avaient intrigué pour que les gens se déploient pour finir avec le prophète, pour finir avec les musulmans, pour finir avec l'islam. Donc ils sont venus, la fameuse Ma'arakat al-Ahzab, Ma'arakat al-Khandaq, où ils sont venus entourer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans pour les massacrer, pour finir avec eux. D'accord ? Donc, les compagnons butèrent sur un énorme rocher, impossible à déplacer. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda alors de reculer. Invoqua Allah, azza wa jal, prit sa pioche, puis donna un énorme coup sur le rocher. Les témoins furent éblouis par une lumière. Il s'écria, sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, on m'a donné les clés de la Perse. J'aperçois les palais rouges d'Al-Hira et les cités de Kor. Kors, Kosroers, Kisra,
Qaïsar. Al-Qaïsar, les Romains. Kisra, les Perses. Oui, Kisra. Khosrowès en français. En subhanallah, donc dans le pire moment que les musulmans ont connu, imagine des armées et des armées qui t'entourent, qui t'encerclent, où c'est vraiment, tu peux te dire, c'est la fin. Tu essayes de fabriquer quelque chose pour te sauver finalement, pour te protéger, pour te préserver de leurs attaques. Tu essayes de faire le fameux khandaq. Donc c'est pratiquement la fin. Et subhanallah, à ce moment-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te donne une bichara, une bonne annonce. Au second coup, la pierre se fissure et lueur jaillit. Il dit « Allahu Akbar ». Il crie « Allahu Akbar ». On m'a donné les clés de Byzance, capitale de l'Empire romain. Donc à ta place, moi je dis « C'est bon avec ce qui se passe, alhamdoulilah, nous avons la clé des États-Unis. Nous avons la clé, alhamdoulilah, et les clés de l'Europe. Nous avons les clés de la Chine. Nous avons les clés de l'Inde. El Bishara, Habibi. C'est dans ces moments-là où il faut que tu te déploies. El Bishara, Habibi. Les bonnes annonces vont arriver. Alhamdulillah. Mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. La victoire d'Allah est proche. Au troisième coup, le rocher céda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa que l'étendard de l'islam flotterait sur les palais du Sham, Syrie, Palestine, Liban, etc., du Yémen et du reste du monde. Que veux-tu de plus? Que veux-tu de plus, mon frère? Déploie-toi pour que Allah guide des gens. Déploie-toi pour inviter les gens à l'islam. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Ne serait-ce qu'un verset. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Dis, ceci ma voix. J'appelle les gens à Allah. Appelle les gens à Allah et laisse Allah faire le reste. Allah jazik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.